Ils sont une dizaine de journalistes culturels de différents organes de presse à bénéficier d'une formation dans le domaine de la critique. Objectif, permettre aux bénéficiaires d'accroître leurs compétences dans le domaine de la critique. Elle a besoin de jeter un coup d'œil critique sur l'activité des journalistes culturels à partir de notre point de vue et de la nécessité de donner aux journalistes l'impression, susciter la curiosité en leur sein, de l'idée de savoir combien leur rôle est important dans leur position de relais, de passerelle entre la créativité, la création des artistes et le grand public, et le public initié dans le même temps. C'est une série de séminaires qui vont s'étendre sur 2 mois, avec des thématiques extrêmement riches. Quelle humanité pour demain ? C'est la thématique qui a ouvert les sessions, une problématique qui revêt tout un sens. C'est un questionnement légitime qui a traversé, on va dire, les siècles. Je pense que depuis des siècles, les hommes se sont interrogés sur leur origine, d'où ils venaient, sur leur présent et sur leur avenir, pour essayer de trouver des solutions pour affronter leur angoisse existentielle et donc leur angoisse essentielle. Parce que c'est important, c'est essentiel, vital de s'intéresser à notre humanité. Plusieurs candidatures ont été reçues. Les bénéficiaires de cette première session estiment que l'initiative vient à son heure. Parce que dans ce monde qui est de plus en plus désagrégé, autant dans sa morale que dans ses matières, il devient urgent d'avoir ce genre d'initiative pour mieux nous outiller. Et je pense que ce qui est attendu au-delà de la plus-value qui nous est donnée, c'est le fait de pouvoir mieux informer le public, mais également de plus l'informer par rapport à la culture, aux arts et toutes les matières qui seront évoquées ici. La formation est pluridisciplinaire, avec l'intervention de grandes sommités du monde de la culture, des universitaires et hommes de culture sénégalais. Le projet entre dans le cadre du salon artistique de l'Institut Goethe avec l'appui de la GIZ.